dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais à la scène, c'est elle qui fait l'habit. Eh bien voilà, j'habille les gens qui jouent la comédie, je suis costumière. Alors le métier de costumière, c'est d'abord la rencontre avec un metteur en scène et la rencontre avec un texte. Donc à partir de là, on fait un choix d'un univers. Moi, je commence à dessiner, faire des propositions de couleurs, de formes. Et puis, c'est l'étape des échantillons. Je commence à partir en course, à amener des échantillons de matière. Et je constitue une équipe de couture qui réalisera les costumes. Et là, je fais le suivi du travail technique. Ce travail se terminant par les derniers essayages pour les finitions et puis le spectacle. En fait, j'avais fait des études littéraires en secondaire et je faisais de la peinture par ailleurs et j'avais envie de réunir les deux formations, c'est-à-dire le côté littéraire et le côté plastique. Et en voyant un spectacle en Russie lors d'un voyage, j'ai vraiment eu un flash, j'ai eu envie de faire de la déco et des costumes en me disant qu'en plus ça réunissait ces deux activités. Et je pense que pour faire ce métier, il faut avant tout aimer les autres parce que c'est un métier de contact et de proximité. Moi, je trouve que l'école est un bon point de départ pour apprendre à réfléchir, à raisonner correctement, mais qu'on a quand même besoin de la pratique pour apprendre ce que sont vraiment ces métiers-là. C'est indispensable, l'école ne suffit pas. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'éternel recommencement. Il n'y a pas de routine, ça change tout le temps, on rencontre des mondes différents. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est cette espèce de vie de famille où on partage les stress, les joies. Et ça, je pense que c'est l'effet passion, c'est qu'on partage tous la même chose. Mon métier, c'est ma vie.